C'est pendant 13 années que la marque italienne Lancia produit la Fluvia, la version 1.6 HF qui était estampillée sur toutes les voitures de compétition de la marque italienne. Elle débarque en mode dans Assetto Corsa. Bonjour et bienvenue dans Track Day. Aujourd'hui, une boucle ou deux de la Nordschleife au volant d'une petite italienne assez particulière et très sympathique à conduire. Pas très excessive dans ses performances, un poids de 820 kg, une puissance de 165 chevaux, un couple à 169 Nm et une vitesse de pointe de 200 km/h, ce qui pour l'époque était quand même pas mal. En tout cas, cette voiture est très bien réalisée, elle est très jolie, elle pourrait être digne de développer par Assetto Corsa et donc par Kuno Simulazione eux-mêmes. Aucun reproche à faire, surtout sur l'intérieur qui, vous allez le voir sur les différents plans, est très bien détaillé. On n'a pas hésité à aller dans les détails, que ce soit sur les stickers sur les vitres ou les boîtiers électroniques, etc. Les câbles qui traversaient la voiture, les faisceaux électriques. Une voiture bien réalisée, très jolie, une physique assez particulière, personnellement j'aime beaucoup. C'est assez proche de ce que proposent les voitures aussi des années 70 du jeu. Pas transcendante, pas incroyable, mais quand même une belle partie de notre histoire du sport automobile, un petit bout de patrimoine avec cette voiture. Je vous invite à profiter de cette Lancia en train de danser véritablement sur la Nordschleife. Je me suis en tout cas fait très plaisir à son volant, un train arrière assez léger qui balade, elle est très légère, je vous l'ai dit, 800 kg. Et vous allez placer le train avant et l'arrière suivra tout seul comme un grand. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de monter le son et de profiter de ces quelques plans de la belle italienne. Thank you.